Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleurs ventilateurs colonnes. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez aussi voir la description dans laquelle nous avons mis le lien des produits. Et sur ce, c'est parti pour le top. Tout d'abord, nous avons le ventilateur DuraCraft. C'est un ventilateur colonne au design très minimal, ce qui n'est pas nécessairement un aspect négatif. En fait, il peut être apprécié par ceux qui recherchent un modèle discret. La structure est entièrement en matière plastique blanche. Même le panneau de commande se conforme à l'aspect esthétique essentiel. Il se compose en effet d'un sélecteur à molette simple et spartiate qui fait office d'interrupteur et vous permet de choisir l'une des trois vitesses de ventilation. Un petit bouton permet de lancer l'oscillation latérale automatique. Il s'agit d'une fonction essentielle de tout ventilateur, mais dans ce cas, l'angle couvert atteint environ 60 degrés. Une valeur inférieure aux 80-85 degrés habituels de la plupart des modèles qui limite la distribution uniforme de l'air dans la pièce. Le moteur d'une puissance de 40 watts et le système de ventilation avec cylindre rotatif maintiennent le niveau sonore très bas, de manière à permettre l'utilisation pendant la nuit. Ensuite, nous avons le ventilateur colonne Tristar. Ce ventilateur offre un impact visuel attrayant grâce à son design moderne et au contraste de couleurs entre le plastique blanc de la structure et le noir des grilles frontales. Le panneau de commande allie une esthétique agréable à une fonctionnalité adéquate, combinant d'élégants indicateurs LED à des boutons pratiques. L'appareil dispose de 3 vitesses et de 3 modes de circulation de l'air. Le mode naturel tente d'imiter une brise pour donner la sensation d'être à l'extérieur. Le mode normal est un bon compromis entre puissance et bruit, tandis que le mode nuit assure un silence maximal pour une utilisation très confortable pendant le sommeil. Pour compléter l'équipement standard, il y a une minuterie avec un intervalle entre une demi-heure et 7h30, un mouvement oscillant avec un rayon de 85 degrés et une télécommande pour reproduire les fonctions de l'écran à distance avec un boîtier très pratique au dos de la coque. Ce ventilateur colonne est particulièrement adapté à ceux qui recherchent un produit garantissant d'une part un design élégant et d'autre part des performances satisfaisantes. Malgré un moteur de 45 watts qui n'est pas le plus puissant, l'appareil est capable de refroidir efficacement des pièces de taille moyenne, le tout à un prix très abordable et de manière silencieuse. Et enfin, nous avons le ventilateur colonne Honeywell, qui est un compagnon idéal pour lutter contre les périodes de chaleur intense. Ce modèle de ventilateur Honeywell est conçu avec un design pratique et peu encombrant. Il dispose d'une télécommande avec un compartiment spécial, de 3 modes de fonctionnement, normal, brise et nuit, d'une oscillation interne de la grille et d'un panneau de commande facile à utiliser, ainsi que d'une minuterie pour programmer son arrêt jusqu'à un maximum de 4 heures. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce top 3, j'espère vous avoir aidé à faire le meilleur choix. Je le répète, les liens sont en description si vous êtes intéressé par l'un de ces ventilateurs. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.